Rebonsoir, chers compatriotes, Étienne Symphorien Mbalandaï, TV du peuple RD Congo. Voilà, comme on vous l'avait promis, la pétition a été déposée, non pas au cabinet de la présidente du Parlement, mais plutôt entre les mains d'un huissier ou d'une huissier, si vous voulez. C'est une dame, son bureau s'appelle Études de huissier Gabriel Akila Fahim. Donc, c'est Gabriel avec deux L au féminin parce que c'est une dame. Elle est assistée par un homme. Comme tous les bureaux étaient fermés, les bureaux du questeur, les bureaux du deuxième vice-président du Parlement et tous les autres bureaux, même les toilettes. Alors, les députés ont recouru à un huissier de justice, parce qu'il n'y a pas de féminin pour ça. Alors, elle s'appelle Gabrielle Akila Fahim. Voilà, chers compatriotes, nous allons étayer cela par un extrait vidéo et vous allez vous étonner. C'est l'état de droit, donc les bureaux sont fermés, on recourt à la justice. De toutes les façons, Madame Mabunda ne pourra pas s'en échapper parce que le lundi, elle doit ouvrir les bureaux. C'est un constat. Faute de quoi, la justice ira encore plus loin. Voilà, chers compatriotes, suivez. Pétition à Bango. Depuis ce matin, depuis
d'ailleurs. Le bureau est fermé du huissier. On l'a chassé de son bureau et il est parti. Il est parti. C'est ainsi que nous avons fait recours au huissier de la justice afin qu'elle puisse constater cela. Ça, c'est le bureau de chargé de courrier. Et on ne sait pas accéder à ça. Mais dans ce cas, on peut passer bureau par bureau pour que vous constatiez la carence. Passons bureau par bureau. Bien constaté. Il a donné des instructions sous l'ordre de son chef, la présence du bureau, et on a fait déguerpir tous les agents du bureau de l'Assemblée nationale. Lui-même, son bureau est fermé, il n'est pas là. Voilà un constat. C'est 2020. Et maintenant, on nous amène au bureau de madame la présidente de l'Assemblée pour que vous puissiez constater son absence et la fermeture de ce bureau. Ça, c'est bon. Oui. Allô. Ils ont fait déguerpir tout le personnel. Je crois que ça, c'est quelque chose unique en ce genre dans ce monde, qu'on puisse manifester des comptes publics, puisse fuir son bureau, simplement parce qu'on lui amène un moyen de contrôle parlementaire. Et ça, c'est unique en ce genre, simplement ici, chez nous. Tout ce qui était en train de crier à gauche et à droite pour dire que nous n'avons pas atteint le nombre requis pour déposer les pétitions. Aujourd'hui, tout est tiré au clair. Voilà la situation. Nous avons notre pétition que nous allons remettre à l'huissier qui est ici et une pétition qui a requis plus de 251 signatures. Nous allons remettre ça à notre huissier, mais on le fera de l'autre côté, hein, que ça se fasse publiquement devant les médias. Et nous allons remettre pour que le huissier soit chargé de les transmettre nos pétitions. Constater la carence de l'administration de l'Assemblée nationale. Nous avons fait la ronde avec le huissier de la justice et maintenant là, nous allons lui remettre la lettre de transmission qui est ici ainsi que les pétitions pour qu'elle puisse aller notifier ou signifier à qui de droit les éléments qui sont ici parce que nous n'avons trouvé personne de l'administration et nous avons recouru à la justice pour que le huissier puisse nous faciliter, comme dit la loi, cet exercice-là. Madame le huissier, je vous remets officiellement, les dossiers qui sont là-bas. Ça contient les lettres de transmission, ça contient toutes les pétitions, ainsi que les listes des signataires de la pétition qui sont là-bas. Voilà, merci. À notre étude, le cabinet à qui l'a est associé, conformément aux dispositions impératives de la loi portant création et organisation de la profession d'huissier de justice en République démocratique du Congo, dans son article 2e, l'huissier de justice a pour mission de notifier, de signifier les actes judiciaires et extrajudiciaires. C'est dans ce cadre, conformément à notre mission,
dévolue par la loi, que nous réceptionnons ces différentes pétitions pour les instrumenter conformément à la loi. Merci, chers honorables, de faire confiance à notre étude, cabinet d'huissier de justice Akila Faina Gabriel. Et c'est conformément aux dispositions impératives de la loi portant création et organisation de la profession d'huissier de justice en République démocratique du Congo, cette loi qui du reste est votre œuvre, nous allons nous conformer aux dispositions de l'article 2e qui nous donne mission de pouvoir signifier, notifier des actes judiciaires et extrajudiciaires. C'est ainsi que nous vous remercions et nous allons nous conformer à cette disposition impérative. Merci. Nous allons maintenant aller notifier les pétitions que nous avons sur soir avec nous. Merci de nous avoir fait confiance. Nous allons. C'est Maître Akila Faina Gabriel. Je veux ajouter que Maître Akila Gabriel est huissier de justice assermenté, officier public et ministériel. Moi, je l'assiste, je suis huissier de justice admis. Je pense que nous avons fini, nous avons répondu à votre préoccupation. Mais je crois que vous êtes congolais, vous suivez l'actualité, la situation politique du pays est bloquée, il y a une crise évidente, crise créée par la gouvernance des institutions, et parmi ces institutions, le Parlement, qui a développé une gouvernance de confrontation, alors que nous sommes dans un régime qui doit travailler dans la concertation et dans le compromis. Face à votre démarche, pensez-vous que vous obtiendrez gain de cause? Mais si ce n'est pas nous qui devons obtenir, c'est le peuple congolais qui doit obtenir un coup de cause. Aujourd'hui, vous savez que depuis presque un mois, le Conseil des ministres n'intéresse pas. Le président de la République a témoigné sa défiance vis-à-vis du gouvernement. Et en principe, le Premier ministre devait, n'est-ce pas, déposer sa démission puisqu'il n'a plus la confiance du chef de l'État. Mais il s'est fait que sa pseudo-majorité à l'Assemblée semble l'appuyer. Donc il était important pour nous, à toute responsabilité, que nous puissions prendre cette charge de désintégrer cette majorité de blocage pour créer et mettre en place une majorité de progrès. Mais non, parce qu'avez-vous eu le temps de bien analyser ou examiner votre pétition, d'autant plus que lorsque, des fois, on s'est habitué à ça, lorsqu'un député initie une telle démarche, des fois, il y a juste des procédures, il y a faux usage des fois en écriture. Hein, mais on ne peut dégager tous ces éléments que si l'administration parlementaire joue un jeu franc. Donc, recevoir la pétition, l'analyser au niveau des institutions parlementaires, notamment la conférence des présidents, programmer éventuellement la pétition et aller au vote. Mais lorsqu'il y a cette forme de blocage intentionnel, un refus de faire fonctionner les institutions, comment, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions dire? Il y a votre collègue, l'honorable Manara, qui vient d'affirmer aujourd'hui que cette pétition ne va pas aboutir. Parce que déposer une pétition, c'est une autre chose. L'examiner au niveau de l'Assemblée nationale, c'est encore une autre chose. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais il faut qu'on laisse l'administration recevoir la pétition et que nous allions au vote. C'est une gestion démocratique dans tous les pays démocratiques. Si vous lisez notre règlement intérieur, il y a des dispositions pertinentes en matière de défiance du bureau, des membres du bureau. Tout comme il y a des notions de défiance, des notions de... Il faut laisser la fluidité de l'organisation de l'institution parlementaire. Mais il ne faut pas faire le blocage. Donc, c'est vrai, une pétition, ce n'est qu'un pan, mais faire passer la pétition, c'est une autre démarche. Mais il faudra que le jeu démocratique
la loyauté, la sincérité et aussi le respect de l'organisation administrative. Il y a une administration qui doit recevoir, n'est-ce pas, la pétition. Voilà ce qu'il faut faire. Merci. Chers collègues, honorables députés, ainsi que chers amis des médias, nous sommes ici depuis 9 heures. Nous sommes venus pour déposer les pétitions que nous avons adressées contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est depuis 9 heures, comme je le disais, que nous sommes ici. Mais nous avons constaté que tous les bureaux de l'administration ont été fermés. Et même les toilettes. Le personnel de l'administration a été chassé par le bureau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, là, nous sommes en train de chercher à faire constater cela par un huissier de justice pour qu'il puisse voir comment le bureau est en train de gérer l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, là, nous n'avons pas eu la possibilité de déposer notre pétition parce que tout le personnel a été déguerpi de l'Assemblée nationale. Et parce que c'est une obligation constitutionnelle, nous allons repasser, déposer notre pétition ici. À moins qu'aujourd'hui, Mme Mabunda nous dise qu'elle a fermé définitivement l'Assemblée nationale, c'est alors que la pétition ne va pas entrer. Mais ceci dit, nous allons rentrer et le lundi, nous allons venir ici pour déposer notre pétition qui a requis toutes les conditions nécessaires de recevabilité et de fondement. Aujourd'hui, là, nous allons faire le tour avec les amis des médias pour que vous puissiez constater avec nous et faire rapport à l'opinion tant nationale qu'internationale la façon tout à fait cavalière et rocambolesque que Mme Mabunda gère le bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons recouru à un huissier de justice tout de suite à qui nous allons remettre notre pétition pour qu'il dépose au bureau de l'Assemblée nationale et aux personnes concernées. Mais néanmoins, je demande à tous les députés qui sont avec moi, les signataires, ainsi que les médias, d'aller constater la fermeture de tous les bureaux et à... tout de suite à qui nous allons remettre notre pétition pour qu'il... Vous savez que depuis presque un mois, on ne peut dégager tous ces éléments que si l'administration parlementaire joue un jeu franc. Donc recevoir la pétition, l'analyser au niveau des institutions parlementaires, notamment la conférence des présidents, programmer éventuellement la pétition et aller au vote.